Si vous êtes à la recherche d'une tablette graphique mais que vous ne savez pas laquelle choisir, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Dans ce top 3, nous vous présenterons les meilleures tablettes graphiques qu'il y a sur le marché. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à consulter les liens en barre de description pour obtenir les produits. Nous commençons tout de suite avec la tablette graphique de la marque Wacom qui propose une tablette graphique qui a plus de 6700 évaluations et une moyenne de 4,5 sur 5. Cette tablette graphique existe en plusieurs coloris et en plusieurs tailles. Donc small ou medium et plusieurs styles, donc Bluetooth ou sans Bluetooth, et plusieurs types de motifs. Elle pèse 0,23 kg. Elle est donc soit avec un USB, soit un connecteur Bluetooth. Elle fonctionne avec un système d'exploitation Android, Marshmallow, Windows, macOS ou encore Chrome. Grâce à la nouvelle tablette Intuos de Wacom, S'essayer au dessin graphique est un jeu d'enfant. Elle fournit avec un logiciel au choix et à télécharger gratuitement. C'est une solution clé en main pour enseigner à distance ou apprendre en ligne grâce à ces nouveaux logiciels pédagogiques en essai gratuit pendant 3 mois. Cette petite tablette fonctionne à l'aide d'un câble USB relié à votre ordinateur. Elle est compatible avec Windows 7. Vous avez grâce à son stylet paramétrable contenant 4096 niveaux de pression, donc ça offre une très grande précision. Elle comporte 4 boutons qui sont personnalisables et une résolution de 2540 LPI. Donc nous passons au second modèle, c'est une tablette de la marque XP Pen. C'est la Start 03 V2 qui a également plus de 6900 évaluations et une moyenne de 4,3 sur 5. Elle fonctionne avec un USB et elle pèse 2 livres. Elle existe en plusieurs tailles. Cette tablette graphique avec stylet avancé est fournie sans batterie. Aucun besoin de charger. Le niveau de pression est de 8192 et vous avez une surface active de 10 x 6 pouces. Vous avez un bouton sur le stylet donc qui est programmable dans le panneau de configuration du pilote économisant vos efforts. Vous avez 8 raccourcis sur tablette personnalisable, des fonctions par défaut. Vous pouvez augmenter l'épaisseur du pinceau, diminuer l'épaisseur du pinceau, zoomer avant, en arrière, etc. La tablette graphique est aussi compatible avec les logiciels d'écriture ou de signature comme Microsoft Word. Donc elle est très abordable, a un très bon rapport qualité-prix. Nous passons au dernier modèle de la marque Gaomon. Donc c'est la M10K. Voilà, donc elle est un petit peu plus chère, mais toujours abordable. Elle a plus de 6800 évaluations, une moyenne de 4,5 sur 5. C'est un modèle qui est avec un USB. Elle pèse 695 grammes. Elle fonctionne avec Windows 7 OS. Le stylet sans batterie adopte la technologie passive la plus avancée actuellement. Ce stylet écologique est non seulement économique, mais aussi haut de gamme. Donc il peut être utilisé directement sans batterie, ni charge, évitant ainsi les fuites de batterie et une faible consommation. Vous avez une sensibilité à 8192, donc un haut niveau de pression. Il permet des mouvements de curseur plus précis et plus réactifs, ce qui rend votre dessin net et naturel. Vous avez un mode main gauche, main droite, donc vous pouvez choisir certains modes qui sont faciles à changer. Donc dans l'application Gaomon fournie, nous avons également des touches de raccourci, donc pour zoomer, pour avancer en arrière, ajuster la taille, gommer, etc. C'était tout pour ce top 3 des meilleures tablettes graphiques. Je vous invite à consulter les liens en barre de description pour avoir plus de détails et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.